Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment fonctionnent les courbes sous Photoshop. Donc, pour ça, je vais partir d'une image de base et puis vous expliquer pas à pas et de voir l'interface des courbes par rapport au calque. Donc, je vais commencer déjà par dupliquer mon calque. CTRL J. Voilà. Donc, vous voyez ici ma palette des calques. Ensuite, je vais lui appliquer une courbe. Donc, pour ce faire, je vais directement dans le petit panneau des calques de remplissage et je vais chercher l'outil courbe. Voilà, donc il s'est mis sur la page de calque directement avec ce petit symbole qui représente une courbe et il lui a affecté un masque dès le départ qui est tout blanc et qui n'affecte rien pour l'instant tant qu'on n'a pas peint en noir par-dessus. Donc il ne masque rien, il laisse passer complètement la courbe. Donc la courbe, elle se présente comme ceci. Vous avez en haut toujours le petit symbole des courbes qui est actif, le petit symbole des masques qui vous permet de jouer sur ce masque-là. Donc ce qui est, si je clique dessus, voilà, vous arrivez sur une page de masque. Alors je crois que ça c'est propre à CS6, ça n'existe pas dans les versions antérieures. Donc je reviens sur ma courbe. Ensuite, vous avez des paramètres prédéfinis, vous déroulez, vous faites des essais comme vous voulez sur si vous n'êtes pas très fort sur les courbes. Hein, je vous montre un petit peu ça, voilà le négatif par exemple. Je reviens par défaut. Ensuite, vous avez une petite main qui vous permet de monter et descendre la courbe par rapport à une sélection faite dans l'image. Alors vous voyez qu'à chaque fois que je clique dans l'image, je crée un nouveau point. Donc ça peut être très utile si vous voulez. Vous avez ensuite des pipettes qui représentent une pour le point noir. Donc vous voyez, tout est marqué si vous voulez faire un écrêtage avec. Ça va être le point moyen, point gris, ensuite le point blanc. Là, c'est toujours la modification des courbes. Ça, c'est pour dessiner une courbe à la main. Donc c'est un peu compliqué, je ne vous conseille pas de le faire. Ensuite, vous avez, alors je vais déjà recommencer par les petits icônes qui sont en bas. Vous avez donc la poubelle pour supprimer donc le calque. Vous avez un œil qui vous sert de faire un aperçu avant-après. D'accord. Vous avez ensuite un petit icône de tout réinitialiser. Voilà la courbe dans son état initial. Et vous avez un petit œil pour voir toujours avant-après, une fois la correction. Donc ensuite, on a deux petits curseurs qui sont le noir et le blanc. Ça ressemble étrangement au niveau, à savoir un histogramme qui est dessiné ici et un niveau sur la valeur d'entrée qui va de 0 vers 255 si on va à fond. Voilà, enfin 249, là je suis un peu bloqué. Et vous avez la même chose pour les blancs, de 255 vers 0. Voilà, donc ça c'est assez simple. Je vous rappelle, si vous faites des photos noir et blanc, il y a une petite astuce pour voir si vous avez des vrais points blancs, enfin des vrais pixels blancs et des vrais pixels noirs dans votre image. Ça marche dans les courbes, ça marche aussi dans les niveaux. Vous maintenez enfoncé la touche Alt et vous cliquez sur le petit curseur noir. Et là, vous voyez, ça s'est assombri, ça c'est ce qui est normal. Mais vous voyez tous les pixels qui deviennent noirs. Plus ils sont noirs, plus ils sont réellement noirs. Les jaunes et autres, ils commencent à se foncer. Hein, tous ceux qui étaient en bleu. Et ça marche également pour le blanc. Voilà. Et là, on a quelque chose de très blanc ou très clair par rapport à des choses cramées comme ceci. Alors, c'est pas très judicieux sur la partie couleur. Par contre, on voit qu'ici, on n'a pas du tout de pixels blancs. Donc, ça sert à rien. On va en ramener pour commencer à les faire apparaître, voilà, sur votre image. Et on va rester comme ça, on ne va pas aller plus loin. Donc vous voyez, il a redéfini l'entrée ici. Alors, je parle d'entrée, on va expliquer un petit peu tout ça. Vous avez en abscisse et en ordonnée, qui se trouve ici, donc une valeur 0,0 qui est ici, qui correspond à l'origine, et une valeur de 155, comme on a déjà vu sur la définition des couleurs. Donc on part de 0 à 255 là, et vous partez également de 0 à 255 ici, qui est du noir vers le blanc, 255 étant le blanc. Vous avez donc au milieu, dans les valeurs 122, 123, le gris moyen. Vous montez sur votre courbe qui est une courbe droite pour l'instant à 45 degrés, enfin plus tout à fait parce qu'on l'a modifiée. Vous rentrez à 122, vous sortez à 122. Si vous voulez éclaircir votre image, eh bien, il suffit tout simplement dans le gris moyen de remonter cette valeur de 122 vers les tons les plus clairs. Donc on clique dessus
on tire vers le haut, et j'ai donc ma valeur, mon point 122, qui va sortir à une valeur aux alentours de 200 et quelques. Hein, donc on les a ici, 127 en entrée, 188 en sortie. Voilà ce que ça veut dire. Vous voulez foncer, bah c'est l'effet inverse, vous reprenez votre point, vous redescendez vers le bas, et vous avez toujours votre entrée de 127 qui ressort à 65, qui est à peu près la valeur qui se trouve ici. Donc ça, c'est assez pratique. On parle souvent de courbe en S, et ben c'est exactement le même phénomène. On assombrit les parties sombres et on éclaircit les parties claires. Alors, ça peut se faire dans l'autre sens. Vous pouvez foncer les parties claires, puisque je passe en dessous. Là, vous avez toujours la droite de référence. Et j'éclaircis les parties sombres. Donc, vous voyez, si là, je voulais éclaircir mon image, c'est comme ça que je m'y prendrais. J'essaierai de contrôler un petit peu le niveau des clairs pour pas avoir quelque chose de trop cramé, donc je contrebalancerai, j'essaye de passer vers le centre, et je viens éclaircir mes tons foncés pour révéler des détails dans les parties sombres, ce qui donne une image pas trop mal. Donc, une fois que j'ai fait ça, on a d'autres paramètres dont on n'a pas parlé. Alors, vous avez un mode tout automatique, bien sûr, et vous pouvez jouer aussi sur les modes de couleurs qui sont en dessous le RVB. Donc là, la courbe des rouges, alors c'est pas vraiment du rouge, c'est vous n'allez pas jouer sur une intensité de rouge, vous allez passer du rouge vers le cyan. Donc plus je monte vers le haut, plus je passe mon image sur le rouge, plus je vais vers le bas, et plus je passe mon image vers les cyan. D'accord? Donc ça marche toujours pareil hein, sur les entrées et les sorties, c'est exactement la même chose. Vous pouvez aussi ramener les curseurs comme ceci et jouer un peu avec. Alors si je veux rétablir, je reviens ici. Donc on a fait une petite courbe tout à l'heure inversée, on va la reprendre. Donc on avait le rouge, le vert, alors le vert pareil, il va vers le vert, bah, et c'est pas compliqué, c'est un mnémotechnique. Le point, vous l'emmenez vers la partie verte, tout simplement, vous avez du vert. Si vous l'emmenez à l'opposé, vous allez vers le magenta. Ensuite, on va revenir sur la troisième couleur qui est le bleu. Le bleu, je l'emmène vers le bleu, ça devient bleu. Je l'emmène à l'opposé, ça devient jaune. Hein, donc ce sont à chaque fois les couleurs complémentaires. Bleu, jaune, vert, magenta, rouge et cyan en bas. Donc voilà comment ça se passe pour la courbe. Ensuite, pour la partie masque qui est à côté, donc là on va faire un petit effet sur une deuxième partie. Je vais vous montrer ça. On va créer une autre courbe, tout simplement. Voilà. Donc, je vais mettre une deuxième courbe dessus. Je vais passer ma courbe. On va essayer d'éclaircir, de passer dans les rouges, tout simplement. On va changer la couleur du ciel. Donc, on a vu que pour passer dans les rouges, eh bien, je rougissais par ici, tout simplement. Je vais même carrément forcer la chose. Bon, vous voyez que toute l'image est affectée. On viendra après sur les masques et vous allez comprendre le sujet. Je vais ensuite, le vert ne m'intéresse pas. Par contre, dans les bleus, pour avoir un ciel un petit peu rougeoyant, on va lui rajouter du jaune. Voilà. Ensuite, on va repasser dans le RVB. Et je vais plus ou moins voilà, foncer ma courbe. Et on voit les courbes qui restent apparentes. Le rouge et le bleu, et vous avez un beau ciel orangé. Alors effectivement, c'est pas très beau sur le bâtiment premier plan. Alors tout simplement, on va lui affecter un masque qui est ici tout blanc. On clique sur le masque. Sur le masque, on va mettre un petit contour progressif. Alors je vous montrerai après son effet. On va mettre pas loin de 1 pixel ici. Ensuite, vous avez un paramètre qui s'appelle plage de couleur. Vous cliquez dessus. Donc là, je me suis un peu amusé avant. Normalement, tout ça, ça devrait être à zéro. Vous avez le cluster des couleurs localisées qui est par défaut décoché. Vous allez le cocher. Et avec la pipette plus. Alors, le cluster localisé, c'est juste pour prendre des petits cercles autour de la pipette quand vous allez cliquer. Si je clique dedans, vous voyez, ça va les rajouter et ainsi de suite. Alors, moi, ça ne m'intéresse pas vraiment cette zone-là. Je vais la reprendre une sélection. Vous voyez, je peux y aller en cliquant à droite plusieurs fois jusqu'à obtenir un noir parfait. Vous voyez? Alors, je vais repartir sur le plus. Le plus va donc me sélectionner toutes les parties que je veux masquer, à savoir tout le ciel complet.
Alors je peux le faire ici ou je peux le faire directement dans l'image. Donc là, je ne dois pas être trop mal. La tolérance, vous la laissez à 40 par défaut. Vous pouvez inverser si vous voulez masquer le ciel. Donc vous voyez, c'est que les pierres à ce moment-là qui deviennent orangées. Et si je fais l'inverse, j'ai que mon ciel qui est affecté et plus mon bâtiment. Donc c'est quand même assez sympa à utiliser ce type de procédé. Donc là, j'ai vu tout à l'heure en inversant, il me restait des choses là qui n'étaient pas très belles. Donc je recommence, plutôt dans les moins. Voilà, il me reste 2 ou 3, un petit peu par ici. Voilà, là j'ai vraiment du blanc et du noir. Donc je refais inverser, voilà, je fais OK. Donc on a vu tout à l'heure le contour progressif. On va voir un petit peu ce que ça influence dessus. Vous voyez, donc c'est pour tout ce qui est bord. Et ça, la pierre devient orangée. Alors on peut jouer dessus pour avoir un effet un petit peu de dominante de ciel ou un truc comme ça. Il ne faut pas non plus trop exagérer. Hein. Si j'avais très très fort, bon, c'est pas. Bon, ça c'est possible. Et vous voyez, ça fait des halos gris aussi un petit peu. C'est pas très très beau. On va revenir sur quelque chose de beaucoup plus doux. Voilà, ça c'est pas mal. Donc on a un petit peu éclairci cette zone-là, on a un ciel qui est devenu bleu, enfin qui était bleu à l'origine, qui est repassé, je vais vous montrer, en orange. Et on a à peu près terminé. Alors si vous voulez voir les masques aussi, vous avez la possibilité de, pour peaufiner si j'ai loupé quelques pixels en blanc et en noir, vous maintenez enfoncé la touche Alt et vous cliquez sur le masque. Là, si j'avais loupé des trucs comme ici, bah, il suffit d'aller chercher l'outil pinceau, réinitialiser le blanc et le noir, vous passez bah, tout simplement sur le noir, vous peignez en noir tout ce qui vous va pas. Là, 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 ce serait pareil pour le blanc. Si on avait des pixels noirs qui étaient restés en haut, et bien on fera la même chose. Donc là, vous voyez, j'en ai encore. Je peins, mais alors je peins que sur le masque, hein. Je peins pas sur l'image. Hein. Voilà, ici on a un petit peu. Je vérifie, je zoome. Ah non, c'est à peu près tout. Donc pour faire réapparaître l'image, il suffit de recliquer n'importe où ailleurs. Et voilà. Donc j'espère que vous avez compris un petit peu comment fonctionnent ces courbes. Vous avez vu qu'on arrive à des résultats très sympas. Ça joue énormément sur tout ce qui est contraste, luminosité de la... de l'image, hein, avec tout simplement des points en S ou un peu plus ou un peu moins. Et ensuite, on peut jouer carrément sur les couleurs. Et avec les masques en correspondance, eh ben, on n'a fait qu'une seule partie de l'image. Je pense que la démonstration est assez claire. On a révélé du détail ici, on a changé des couleurs sans passer ni par la saturation, ni par le changement de couleur. Et on a fait des niveaux et des contrastes, pareil, sans changer quoi que ce soit. Il ne vous reste plus que d'aplatir l'image. Donc pour ce faire, vous allez sur le calque arrière-plan, clic droit, aplatir l'image, et vous faites enregistrer en fermant ici tout simplement. Voilà, j'espère que vous avez compris comment ça fonctionne, et je reste à votre disposition s'il y a des questions. Merci, à bientôt, au revoir.